Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire, le numéro 9. Aujourd'hui, nous allons aborder les graphiques unis et bivariés avec ggplot2. Et en fait, on sera dans la poursuite de ce que l'on a abordé la semaine dernière avec ggplot2. J'espère que vous allez bien. Je sais qu'une partie d'entre vous va suivre en direct, une autre partie regardera en différé. Surtout, n'hésitez pas à revenir. Et puis si vous avez des problèmes sur des graphiques que vous faites, des questions qui émergent, mettez-les de côté avec un exemple concret et reproductible pour notre prochaine session FAQ. Alors, comme à chaque fois, je vous propose que l'on passe en écran plein. Donc, vous voyez, là, je suis sur... je viens d'ouvrir R Studio et puis on va prendre la bonne habitude, comme à chaque fois, de faire un nouveau projet. Les projets, ils sont importants parce que quand on importe nos données, n'oubliez pas, on est toujours sur le chemin relatif par rapport au projet. Alors, pour rappel, pour faire un nouveau projet, vous cliquez sur Projet tout en haut à droite. On va faire Nouveau projet. Quelques secondes, comme je fais du stream, l'ordinateur est un peu plus lent que d'habitude. New Directory, New Project. On va l'appeler New. Et aujourd'hui c'est le 9. On va se mettre dans mon répertoire mes documents. Et donc je vais faire créer projet. Donc aujourd'hui, on va revenir sur les bases de ggplot2 et on avait commencé à aborder hier les différents types de graphiques que l'on peut faire, pardon, la semaine dernière. Et là, on va revenir plus spécifiquement sur la plupart des graphiques qui se réalisent en P variés. Et on va recommencer par le plus classique quand on a deux variables, quand on a du coup deux variables, une variable numérique en premier lieu. Je vais faire un nouveau script pour y mettre le code du jour. Et première chose, on va charger du coup le tag-inverse qui va nous permettre de charger entre autres ggplot2. Donc, pour rappel, lorsque l'on charge le tag-inverse en mémoire, ça vous charge ggplot2, table, tidyr, reader, forcat, stringer, dplyr, npure. Ne faites pas attention ici au petit 9000, c'est juste que sur mon PC cette semaine, j'ai dû faire des tests avec la version développement de ggplot2, mais le code qu'on va voir aujourd'hui fonctionne tout aussi bien pour la version de base que pour la version de développement. Et puis, je vais charger en mémoire questionnaire. On est maintenant habitué à ce package et surtout le jeu de données HDV 2003. Et puis je vais aussi charger un deuxième jeu de données. Donc en chargeant GT Summary, on aura accès à un deuxième jeu de données qui est le jeu de données Trow. Et pour pouvoir les regarder, on va charger du coup le package labeled. Alors, juste pour se remettre en mémoire rapidement, on va faire un look for. Donc, pour rappel, look for est une fonction de labeled. Et donc, on va regarder HDV 2003. Ah, attendez. Il ne le trouve pas parce que c'est par library. Ici, c'est un data que je dois faire tout simplement. Donc, je réexécute tout ça pour être sûr que tout est bien chargé en mémoire. Et on va refaire notre commande HDV 2003 look for. Donc, pour rappel, HDV 2003, ce sont des données issues de l'enquête histoire de vie réalisée par l'INSEE en 2003 en France. Et on a un certain nombre de variables, dont l'âge qui est codé de manière continue. Dans les autres variables codées de manière continue, nous avons frère-sœur, qui est codé ici en entier. Et nous avons aussi heure TV, qui est donc le nombre moyen d'heures passées devant la télévision chaque jour. Une série de variables de type oui/non, sport, cinéma, bricolage, cuisine, pêche, chasse, lecture BD, hard rock. Donc c'est la pratique de certaines activités qui sont codées sous forme de facteurs. Et puis enfin, on a également
le poids de la religion, par exemple, ou encore le niveau d'études ou le sexe qui sont codés en facteurs. Je vous présente l'autre jeu de données qui est trial. Donc, trial est en mémoire dès lors qu'on a chargé gtSummary. Et si je fais un look for dessus, donc on est ici sur un jeu de données un petit peu plus court. Ce sont des données cliniques sur des patients atteints d'un cancer. Nous avons une variable TRT pour treatment, qui est le traitement suivi et qui est codé sous forme textuelle. L'âge qui est codé sous forme de nombre numérique. Le niveau. Donc on a un marqueur de cancer. Alors je ne sais plus quel marqueur biologique il s'agit, mais c'est encore une fois une variable qui est ici continue. Deux variables codées sous forme de facteurs qui sont le niveau de l'infection stage et un grade. Et puis nous avons ensuite, en fonction du traitement, est-ce que, il y a une réponse positive ou pas sur la tumeur du traitement qui est codée sous forme binaire oui, non, 1, 0, donc c'est un nombre entier, et est-ce que le patient est décédé sous la forme 1, 0. L'intérêt de Trial, c'est que il sert pour pas mal des exemples de gtSummary, et surtout, on a des variables codées sous différentes manières pour pouvoir s'en ressortir. Alors, on va déjà, du coup, commencer tout de suite par un premier type de graphique, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsque l'on a une variable continue. Premier cas de figure, nous avons une variable continue. Donc, par exemple, on va regarder la distribution selon l'âge dans l'enquête HDV 2003. Alors, pour une variable continue, une bonne manière de pouvoir représenter les données, c'est de regarder sa distribution. Et pour ça, on va faire ce qu'on appelle usuellement un histogramme. Alors, faisons cet histogramme avec ggplot. Pour rappel, un graphique ggplot, c'est tout d'abord un appel à la fonction ggplot sur laquelle on va donner le jeu de données, ici HDV 2003. Pour un histogramme, on a juste besoin de préciser l'axe x, ici ce sera la variable âge, et enfin on va appeler la géométrie correspondante, qui est la géométrie histogramme. Exécutons cela. Vous avez ici le graphique qui s'affiche. Donc, ce que fait ggplot en l'occurrence va diviser en fait notre variable continue en différentes petites catégories hein, pour en faire des barres verticales et ensuite va calculer le nombre d'observations dans chacune de ces barres pour produire l'histogramme. Et donc, on voit qu'une majorité des personnes enquêtées sont plutôt entre 30 et 60 ans. On en a un petit peu moins avant 30 ans, et puis on voit que les effectifs ensuite diminuent de manière très rapide aux âges plus avancés. Notre histogramme, comme on est sur une variable continue, et c'est bien la représentation correcte d'un histogramme, c'est d'avoir du coup les barres qui se touchent les unes par rapport aux autres. On peut contrôler le nombre de barres. Donc, vous avez un premier paramètre qui est le paramètre binWidth, qui permet de contrôler la largeur de chacune des barres. Si je voulais avoir des barres qui représentent des classes de 5 ans, je pourrais utiliser binWidth égale 5. Et dans ce cas-là, vous voyez bien qu'on a des barres plus larges. Pour rendre les barres plus visibles, ce que je vais faire, je vais remplir les barres en orange. Et je vais surtout mettre une couleur pour faire le contour. Donc color, c'est le contour des barres, fill, c'est le remplissage des barres. Et là, du coup, c'est tout de suite beaucoup plus visible. Donc on voit bien que nous avons des barres qui font exactement 5 ans en largeur. Petit souci, c'est que du coup, là, il nous le fait, hein, on a un calcul qui se fait automatiquement, mais vous voyez, ça ne se fait pas exactement sur des 20-24 ans, sur des 25-34 ans. Et donc, parfois, on aimerait pouvoir contrôler plus précisément l'endroit. Je vais vous remettre le premier exemple pour qu'on regarde
les différents cas de figure. Donc ce que l'on peut faire, c'est au lieu de fournir binWeave, nous allons indiquer breaks pour dire exactement quels sont les endroits où l'on souhaite couper. Donc supposons que moi je souhaite couper de 5 en 5 jusqu'à 100 ans. D'accord? Donc en fait, je cherche à faire une séquence qui part de 15 jusqu'à 100 par 5. Je vous rappelle, on a sec hein, qui nous permet de créer une séquence de nombres. Donc là, je vais aller de 5 en 5 en partant de 15 jusqu'à 100. Et on obtient ici nos découpages. Après, c'est peut-être pas forcément le meilleur découpage parce que si je refais un summary de HDV 2003 âge, eh bien l'âge maximum c'est 97, on dépasse là jusqu'à 100, et puis l'âge minimum c'est 18. Et là du coup, on a une barre qui commence à 15. Donc une manière de faire les choses un peu plus proprement, ça serait de faire un découpage de 20 jusqu'à 95. Mais si je fais ça, je vais retirer du graphique le nombre de personnes avant l'âge de 20 ans et ceux après l'âge de 95. Donc en fait, je veux prendre ma séquence, je vais l'encapsuler dans un C qui me permet de faire de combiner les valeurs ensemble. Je vais rajouter 18 et 97. En faisant ça, du coup, ce que vous voyez, c'est qu'on a fait une petite barre un peu plus courte ici, et on a aussi une barre qui fait que 3 de largeur. Donc en fait, avec ce breaks, on peut faire sans aucun problème des barres de largeur complètement inégales. Et par exemple, là je pourrais faire 20, puis aller à 30, puis aller à 50, puis aller à 80. On peut tout à fait choisir des découpages complètement différenciés les uns des autres. Le graphique reste malgré tout correct. En effet, ce qu'il faut retenir hein, ici, c'est que le comptage il doit tenir compte de la largeur. Donc, supposons que je veuille savoir, hein, on va regarder là rapidement, combien il y a de personnes qui ont entre 20 et 30 ans hein, dans notre échantillon. Donc, si je reprends mes données, donc HDV 2003, filter, je cherche donc les personnes dont l'âge est supérieur ou égal à 20 et qui est inférieur à 30, et je vais compter le nombre de lignes. Donc dans mon échantillon, on a découpé entre, oui, c'est entre 20 et 30. Donc dans notre échantillon, nous avons bien 254 personnes qui ont entre 20 et 30 ans. Maintenant, si je regarde une partie plus large, hein, donc ce 254, on le retrouve ici. Maintenant, si je regarde les gens qui ont entre 30 et 50 ans, 180. Et si je regarde les gens qui ont entre 50 et 80 ans, j'en ai bien 856. Donc on peut tout à fait utiliser hein, des breaks pour avoir des largeurs qui ne sont pas égales. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici, on ne respecte pas la forme de l'échantillonnage, parce que du coup, vous voyez, mes hauteurs changent la forme globale. Si j'avais supprimé ici mon 80, vous voyez, j'obtiens une forme globale qui me dit ah, que c'est très très haut, alors que quand je reviens à un binWeave de 5, la forme, elle redescend.
Donc, un véritable histogramme, normalement, se doit de maintenir la forme globale de la distribution. Et là, vous voyez, sur ce graphique-là, il est perdu parce que normalement, lorsque l'on fait un graphique qui a des barres de largeur inégales, on devrait en théorie, on devrait diviser la hauteur des lignes par la largeur des barres, puisque ce qui représentait le comptage devrait être représenté en fonction de la superficie, non pas de l'hauteur des barres. Ce qui est important à retenir, c'est que ce qui est censé représenter, d'un point de vue statistique, quand on veut faire une représentation graphique correcte, la représentation, c'est la superficie qui devrait compter et non pas la hauteur des barres. Alors, si on retourne sur l'aide de GeomHistogram, je crois qu'il y avait une astuce et je m'excuse, je l'ai plus là. Voilà, vous avez en fait ce que vous voyez, c'est vous avez count qui est le nombre de points, d'accord? La densité qui est le nombre de points dans chaque barre, le nombre du coup d'observation dans chaque barre, mais dans le total en fait est redessiné sur 1. Et vous avez with qui vous donne la largeur des barres. Donc si je veux faire une représentation graphique correcte, normalement, ce que je suis censé faire, c'est non pas représenter en Y le nombre d'observations, mais le nombre d'observations divisé par la largeur des barres. Donc je reprends. Celui-ci, c'est incorrect. Je vais en mettre le 80. Donc si je veux représenter non pas la hauteur des barres, donc je vous remets, hein, ça c'est incorrect. C'est-à-dire que j'ai une hauteur des barres mais avec des barres de largeur inégale, donc la présentation n'est pas pertinente. Ce que je devrais représenter, c'est le nombre d'observations divisé par la largeur de chaque classe. Et donc dans ce cas-là, je vais indiquer mon Y. Donc ce que vous voyez, c'est quand on regarde le fichier d'aide d'une géométrie, donc là c'est la géométrie GeomHistogram, qui repose en fait sur une statistique qui s'appelle StatBin. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque géométrie appelle par défaut une certaine statistique, et on peut d'ailleurs appeler une géométrie avec une autre statistique. Et c'est cette statistique StatBin qui prend notre variable, la découpe en différentes barres et va compter le nombre d'observations. Ce que l'on a dans l'aide, on va nous indiquer computed variables. Donc ça, ce sont les variables qui sont calculées par la statistique bin. Donc je reprends dans mon fichier d'aide hein, pour que vous ne soyez pas perdus. On voit que la géom histogramme, donc la géométrie histogramme, appelle par définition la statistique bin. Et donc cette statistique bin, elle est présentée dans le même temps et elle calcule un certain nombre de variables, et les variables qui sont calculées par la statistique bin sont count, donc le nombre d'observations dans chacune de mes barres. Density, c'est le nombre d'observations, mais ramené à un total de 1, donc en fait c'est divisé par le nombre total d'observations de toutes les barres. Et puis vous avez with, qui est la largeur de chacune des barres. Alors, on peut accéder à toutes ces statistiques directement lorsqu'on va définir un Y avec afterStat. Donc si je fais afterStat ici de count, j'obtiens, en fait là je spécifie un Y, c'est-à-dire par défaut, si on ne spécifie pas Y, GeomHistogram va lui affecter cette variable count. Et je peux aussi le dire manuellement comme je l'ai fait ici. Et j'en profite pour faire un calcul pour dire que je veux count, mais divisé par afterStats et que je vérifie, ça s'appelle bien with.
WIDH. Donc si je fais ce nouveau graphique, voyez comment il est très différent. Je reprends le premier sans correction, le deuxième avec la correction. Et donc ce que l'on obtient, j'ai divisé le nombre d'observations par la largeur. Ce que j'obtiens, c'est bien une représentation où ce qui importe, c'est la superficie représentée, c'est-à-dire largeur fois hauteur. Et donc, du coup, pour une classe qui a 10 ans, donc c'est le nombre d'individus par année dans la classe d'âge. Et du coup, je reproduis bien la forme générale de ma courbe. Normalement, dans un histogramme, si j'affinais encore la représentation, je pourrais faire 40. Et puis leur mettre éventuellement un 65 au milieu. Normalement, plus on change ou plus on va affiner le nombre d'éléments, plus la forme globale de la courbe doit être la même. Si je rajoutais un petit 25 ici au milieu, on retrouve quelque chose qui est de plus en plus proche. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que on peut faire des histogrammes avec des largeurs de bande inégale. Dans ce cas-là, pour faire une représentation graphiquement correcte, il faudrait non pas représenter le nombre d'observations, mais le nombre d'observations divisé par la largeur, ce que je fais ici. Mais du coup, retenez que le plus simple, c'est tout simplement de faire le premier graphique avec un binWeave, et simplement on va changer le nombre, la largeur suivant le niveau de détail que l'on veut avoir. Donc, si je fais des classes plus petites, par exemple de 2, on va avoir quelque chose qui va être un petit peu moins lissé, mais vous voyez, on garde la même représentation globale. Si je refais le graphique avec des classes d'âge importantes, on garde cette montée entre 25 et 60 ans et ça redescend. C'est vrai que plus on aura un binWeave petit, plus on va avoir quelque chose de fin. Mais si jamais ça devient trop petit, alors on va se retrouver probablement avec trop d'inégalités. Je vous refais le tout premier. Là, on voit qu'il y a des âges ronds, il y a des petites montées, des petites variations. Donc ça, c'est vraiment à retenir. À utiliser ce que vous voulez. En général, on va faire varier ce paramètre binWeave jusqu'à obtenir quelque chose qui fasse sens dans le cas de ce qu'on veut représenter. Sinon, le découpage par défaut reste très efficace pour représenter une densité. Alors, une des questions posées, c'est est-ce qu'il y a un découpage automatique en classe histogramme en fonction du jeu de données ? Il n'y a pas vraiment de raison automatique. Là, un histogramme, en fait, la seule chose sur laquelle on va jouer, c'est sur ce niveau de largeur. Il n'y a pas forcément de choses complètement automatiques. Alors, par défaut, et si on revient sur LED, parce que si vous regardez bien LED de la fonction, binWeave, et on a binWeave et bins, donc regardons les arguments. BinWeave, donc c'est la largeur de chacune des barres. Can be specified as a numeric value or as a function. Donc on peut éventuellement lui passer une fonction qui fera le calcul. Et sinon, on peut dire un nombre total de barres. Donc en fait, par défaut, ce que fait ggplot, et là, le défaut ici à 30. Donc par défaut, ggplot utilise 30 barres. Pour vous montrer. Donc on a deux manières de spécifier les choses, soit avec le paramètre bins qui nous indique le nombre de barres que l'on veut. Et donc dans ce cas-là, automatiquement ggplot2 va calculer la largeur adéquate des barres pour représenter. Ou alors on indique avec binWeave la largeur des barres et il va déterminer le nombre de barres.
À l'usage, retenez ces deux éléments-là et faites-les varier en fonction de votre besoin. Et retenez qu'on peut faire du coup personnaliser le découpage de manière assez fine, mais à partir du moment où on utilise un découpage avec des barres de largeur inégale, il est indispensable hein, de représenter non pas le nombre d'observations, mais le nombre d'observations divisé par la largeur. Et ça, en fait, ça suffira vraiment dans la très grande majorité des cas, c'est-à-dire qu'on ce qu'on cherche à voir, hein, c'est simplement où sont les individus les plus ou les moins, où est-ce qu'il y a le plus de monde. On a une autre manière de représenter ça, et dans ce cas-là, notamment si on veut. Alors, oui, justement. Supposons qu'on veut regarder si la répartition par âge diffère entre. Alors, code session, je sauvegarde, hein. Webinaire 09. Donc là, je passe tout de suite sur un des cas de figure. C'est si jamais j'ai une variable continue et une variable catégorielle. Donc supposons maintenant que l'on veuille regarder la distribution par âge en fonction du sexe. Donc les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Une des manières simples de le faire, on va faire deux histogrammes côte à côte, et dans ce cas-là, on peut tout simplement utiliser les facettes. Donc je vais faire un ggplot de HDV 2003 plus ASX égale âge plus géom histogramme et je vais rajouter un facette grid. Donc là je vais les mettre côte à côte, donc c'est sur Browse et donc vars de la variable sexe. Donc pour rappel, facette grid a une syntaxe un petit peu particulière. Hein, pour rows et calls, c'est une liste de variables. Il peut y avoir des calculs et on utilise du coup vars pour les indiquer. Historiquement, c'était une formule qui était utilisée. Et maintenant, en fait, voilà, c'est la nouvelle syntaxe qui est recommandée. Donc, retenez juste que quand vous avez un doute, hein, vous regardez, voilà, c'est rows vars ou calls vars. Donc, faisons le graphique. Voyez d'ailleurs, quand je fais le graphique sans mettre d'options, j'ai un message qui arrive à l'écran qui me dit que stat bean a été calculé avec using beans égale 30, donc 30. Et ils nous disent pick a beta value with bean width, c'est-à-dire qu'on peut adapter. Hein, on nous rappelle, par défaut, on découpe en 30 barres et à nous de spécifier ce qu'on veut de manière plus fine. Alors, vous voyez, en mettant rows, hein, ça les a mis l'un au-dessus de l'autre, puisque j'ai représenté sexe en ligne. Et donc, du coup, je me retrouve avec un graphique l'un au-dessus de l'autre. Si ce que je voulais initialement, qui était de l'avoir côte à côte, c'est donc calls. Alors parfois entre les lignes et les colonnes, vous avouerez, on a vite fait s'y mélanger ou s'y perdre. Hein. Et donc le mieux, bah, c'est de faire un test et puis de savoir réadapter. Alors, je reviens pour améliorer hein, l'histogramme et qu'il soit un petit peu plus visible. Je vais juste coloriser en fonction de la variable sexe. Donc je vais rajouter ici un fil égal sexe. D'accord? Et on voit du coup les deux histogrammes. Alors, ce qui se passe, c'est est-ce que j'ai autant d'hommes que de femmes dans mon échantillon? Là, ce qu'on a représenté, hein, vous voyez, count, c'est donc c'est le nombre d'observations. Or, si je fais frag de HDV 2003 par sexe,
On voit qu'on a 1101 femmes pour 899 hommes. Et ça se voit sur le fait que, bah, grosso modo, on a une plus grosse. Si on faisait la surface rouge et la surface verte, on verrait que la surface rouge des hommes est plus petite que la surface verte et qu'il y a plus d'éléments qui sont là. C'est ce qui m'intéresse, c'est vraiment de savoir en quoi la distribution diffère. Ce n'est pas tant le volume et je veux ajuster sur des tailles différentielles. Ce qu'on va représenter, du coup, c'est pas, ce n'est pas du coup le nombre d'individus, mais la densité. Donc la densité, c'est quand on ramène toute la surface qui est dessinée, donc toute la partie, hein, dessinée ici en rouge ou dessinée ici en vert, on la ramène à un total de 20. Si je reviens dans le fichier d'aide de Géomistogramme, vous voyez que dans les variables calculées, hein, on a aussi densité, donc c'est la densité des points, donc qui est mis à l'échelle pour que le total, hein, que cette surface vaille 1. Donc si je remplaçais, je fais le même graphique, mais que je représentais plutôt la densité, donc dans ce cas-là, je vais préciser la valeur de y, y égale after stat density. Et donc là, j'ai donc une densité qui est représentée. Ce qui est important à retenir, c'est que là, la surface totale dessinée en rouge est égale à la surface totale dessinée en bleu. J'ai un des deux côtés. Juste de comparer, hein, la distribution complète des deux groupes. On peut aussi représenter directement une courbe de densité en ayant recours cette fois-ci à Geom Density plutôt que Geom Histogramme. Donc là, vous avez les deux courbes de densité qui ont été faites. Alors, elles sont toujours là avec le facette. Le fil a un impact, hein, sur le couleur de remplissage qui est en dessous. Ce que j'aimerais éventuellement, c'est plutôt coloriser mes courbes. D'ailleurs, j'ai plus besoin de donner le Y. Et je vais pouvoir visualiser les deux en même temps. Donc, je retire le facette. Donc, ce qui me permet de voir directement les deux courbes. J'ai la courbe de densité, d'accord, pour les femmes et la courbe de densité pour les hommes. Donc, la courbe de densité, en fait, c'est une sorte d'histogramme lissé. Hein, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez regarder du côté de Stats Density. Donc, vous voyez, on vous dit, hein, it's a smooth version of histogram. Donc, c'est une version lissée d'histogramme. Si vous voulez plus d'informations sur le mode de calcul, vous l'aurez ici. En fait, ça utilise c'est un lissage en fait avec un kernel density estimate. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez regarder du côté de la fonction densité. À moins d'avoir des usages vraiment avancés, il n'y a pas forcément besoin d'aller jusque-là. Retenez juste, hein, c'est que c'est donc une version avancée. Et si je vous présentais les deux ensemble, donc je vais reprendre mon histogramme et rajouter dessus le géome density. Je vérifie juste dans l'aide, hein, que voilà, c'est toujours bien density, c'est la même variable. Donc là, je vous ai représenté les deux graphiques l'un sur l'autre. Alors, ce que j'aimerais, ça serait pouvoir voir. On va pas faire de remplissage avec le fil. D'accord. Par contre, ce qu'on va faire ici. Donc là, on voit les courbes. Ce que je vais faire, c'est que mon histogramme. Alors, soit je le passe tout en orange. Et je vais mettre alpha égale 0,5 pour le passer en. Alors, pardon, c'était le remplissage que je voulais passer en orange.
Et je vais faire un color gray. Un gray 50, c'est un gris à 50%. Donc là, on voit ainsi les barres et on voit au-dessus, hein, la courbe de densité. Vous voyez, la courbe de densité, c'est vraiment cette version lissée, hein, c'est donc cette version lissée de l'histogramme. Et puis, si pour vous montrer comment est-ce qu'on peut faire varier le niveau de lissage, je vais reprendre en fait le même graphique. Et si vous retournez sur l'aide de GM Density, vous avez donc Stat Density avec BW qui est le bandwidth, qui en fait renvoie au niveau de lissage. Alors si on va sur BW, donc vous avez bandwidth si on veut fixer un niveau de bandwidth pour ceux qui connaissent, sinon vous avez un adjust qui permet d'augmenter ou de lisser plus ou moins. Si je fais adjust égale 2, je vous refais, hein, le premier graphique sans le adjust. Et avec le adjust égale 2, vous voyez, on lisse beaucoup plus le graphique. Alors que si j'avais fait le même graphique avec un adjust 0.5, hein, on a quelque chose qui va être beaucoup plus proche. Encore une fois, le niveau d'ajustement, hein, c'est plutôt en fonction de ce qu'on a besoin de faire passer comme message. Et on va l'adapter petit à petit. Alors, tout en restant sur cette logique, hein, de comparaison d'une variable quantitative, hein, en fonction d'une variable catégorielle, on a aussi une représentation graphique assez fréquente qu'on appelle la boîte à moustache. Donc, on va charger HDV 2003. Et donc, on va comparer. Je vais mettre du coup, cette fois-ci, je vais passer en X la variable de comparaison, c'est sexe. En Y, ma variable quantitative, âge. Et je vais appeler géom boxplot. Donc là, ce que vous avez, ce sont des boîtes à moustaches qui comparent les hommes et les femmes. Alors, pour rappel, hein, sur la représentation graphique de la boîte à moustaches, vous avez le trait plein au milieu, c'est la médiane. Le rectangle représente le premier quartile et le troisième quartile. Autrement dit, vous avez 50% de l'échantillon qui est dans votre box plot, ici. Et là, on vous indique le minimum et le maximum. Donc 25% de l'échantillon qui est ici, 50% là-dedans et 25% ici. Ça permet de comparer visuellement deux groupes. Là, on voit que les hommes et les femmes ont grosso modo à peu près la même distribution par âge. Je pourrais aussi m'intéresser à la même chose, mais en comparant les hommes et les femmes en fonction de la variable sport. Donc, je vais rajouter fil égale sport pour acheter. Pour rajouter un niveau de comparaison. Donc on voit que chez les hommes, ceux qui font du sport, représentés ici en bleu, sont plus jeunes que ceux qui ne font pas de sport. Et on observe la même chose chez les femmes. Petite précision, là vous voyez des points qui apparaissent. Alors, contre le maximum est relativement éloigné en fait en intervalle interquartile, c'est-à-dire que vous voyez, cette longueur-là est multipliée par 1,5. Et bien, quand il y a des points un peu aberrants, donc qui sont atypiques, ils sont représentés. Au lieu de mettre le maximum ici, on va le mettre à une fois et demie l'intervalle interquartile. Et vous aurez des points pour vous représenter les valeurs un petit peu étonnantes. Une représentation un peu. Alors, l'idée, c'est que le box plot, en même temps, c'est une représentation très synthétique qui ne présente pas vraiment la distribution de la population. Et donc, parfois, certains préfèrent ce qu'on appelle un violin graph. Alors, il suffit de remplacer jump box plot par geom violin. Et donc, dans un violin graph, l'idée, c'est que ce que vous avez là, c'est la courbe de densité. Et la courbe de densité, on en fait la symétrique.
Et donc, tel que ça représentait, bah, chacune des formes a une aire totale de 1, mais on voit du coup que la répartition, la distribution de la population n'est pas la même. On voit bien que les jeunes, que ceux qui font du sport ici sont plutôt des jeunes et leur présence s'amenuise avec l'âge, alors que ceux qui font pas de sport, ils sont peu nombreux aux jeunes âges, puis ça augmente par la suite. Donc vous voyez, c'est une représentation un petit peu différente, hein, qui est la représentation sous forme de violine. Je vous montre rapidement une dernier type de représentation, parce que bon, pour le plaisir, mais certains, on va aller sur Analyzer, hein, certains proposent même de faire carrément des graphiques en pirate. Alors, si on va sur analyser graphique uni bivarié avec Gplot 2, boîte à moustache, c'est ici. Et donc, il y a un package qui s'appelle GG Pirate, alors qui n'est que sur GitHub, et qui propose en fait une version un petit peu évoluée qui est celle-ci. Alors, je ne sais si vous regardez en fait, l'idée c'est de représenter les points, hein, qui sont réellement présents avec une représentation en violon et la médiane qui est ici représentée. C'est une autre manière encore, c'est pas très connu, hein, mais c'est juste pour vous dire que sur la représentation des distributions, il peut y en avoir pas mal. Parfois, c'est intéressant de représenter les points en eux-mêmes. Pour vous montrer rapidement comment est-ce qu'on peut représenter les points en eux-mêmes sur le graphique, supposons que je reprenne ce graphique-là. Alors, je ne vais pas faire un fill, je vais faire un color égal sport, pour que du coup, mon violine soit. Et du blanc, et je vais représenter par-dessus les points. Pardon, c'est j'ai un point. Alors, je vais vous faire avec uniquement. On va comparer pour le moment que les sexes. Comparons que les sexes pour le moment. Vous voyez, là j'ai rajouté mes points sur le graphique. Sauf que tous les points, ils ont la même coordonnée en X. Et donc du coup, ils se superposent les uns sur les autres. On n'arrive plus à voir forcément ce qui se passe. Alors, premier élément, je vais prendre mes points en partie transparents. Parce que du coup, quand il y en a peu, bah, voilà, ils sont, on se met les uns sur les autres, on va voir cette densité. Mais ce que l'on aimerait, c'est pouvoir les décaler de manière aléatoire. Et ça peut se faire avec le paramètre position. Je vous montre rapidement l'aide de GeoPoint. Vous voyez que la géométrie GeoPoint, comme toutes les géométries, a un paramètre de position. Et par défaut, position égale identity, ça veut dire. La position, on met à l'endroit aux coordonnées de x et y. Hein, donc là, on respecte. Vous avez la possibilité de faire position égale jitter. Et donc dans ce cas-là, ça fait appel à une fonction qui s'appelle qui va décaler les points de manière aléatoire. Mais si je fais ça, vous voyez, mes points vont être décalés en aléatoire, en hauteur et en largeur. Pour bien les représenter, j'aimerais décaler mes points en aléatoire sur la partie largeur, c'est-à-dire que du coup, je vais avoir des bandes, mais que leur position Y soit, elle, parfaitement correcte. Je vais donc appeler la fonction position jitter, ici, et je vais vous montrer qu'est-ce qu'elle prend en parapente. Donc la fonction position jitter, elle permet d'ajouter un petit aléa sur la position des points en hauteur et en largeur. Et on a ce amount of vertical or position. Hein, donc c'est le degré d'aléa qu'on va avoir. Je vais indiquer 8 égale 0. Je ne veux pas d'aléa sur la hauteur.
Donc ici, mes points sont bien représentés exactement à la bonne hauteur. Par contre, si je veux que mon petit nuage de points soit un petit peu moins large, je vais proposer à ce que l'aléa sur la largeur soit moins nombreux. Si je mets 0,25, c'est pas white, c'est width, pardon. J'ai quelque chose de plus resserré. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un graphique, quand on a des variables catégorielles, la distance entre deux modalités, en fait, elle est considérée de 1. Et donc, avec un width égale 0,25, j'autorise à ce qu'on rajoute aléatoirement entre plus et moins 0,25 autour du point. Si je voulais concentrer encore plus, j'aurais pu réduire mon width ici. Et enfin, une dernière possibilité, c'est de rendre les points encore plus clairs en mettant alpha moins important. Donc là, l'intérêt ici, vous voyez, c'est que j'ai ma densité, mon violine, plus ma densité de points. Hein, et donc, quand on a beaucoup d'observations, cette densité de points, elle n'est pas forcément très lisible. Quand on a peu d'observations, ça devient plus intéressant. Parce que du coup, on voit, là en tout cas, on voit qu'on a tout petit peu d'observations, alors que là, il y a quand même une certaine densité d'observations. Et donc, si je devais découper, on va prendre une autre variable. Par exemple, si je prends la variable religion dans 2003, qui s'appelle relige. Hein, si j'avais pris relige ici. Donc là, je découpe en beaucoup plus de modalités. Eh bien, là, je vois tout de suite que, au-delà de la forme globale, là, j'ai une modalité où il y a peu de points représentés, hein, il y a peu de monde, alors que là, j'ai une distribution qui est calculée sur un grand nombre d'individus. Alors, on va faire une petite pause pour aborder les questions que vous vous posez. Et je vais essayer de les reprendre dans l'ordre. Donc, Airbus permet de faire un scatter plot sur une variable numérique unique. L'axe des x par défaut est un rang d'observation. Est-ce que c'est possible dans ggplot2? Je ne suis pas familier de ce type de graphique, mais j'ai envie de vous dire que c'est assez facile. Il suffit de calculer une variable de rang. Si je prends HDV 2003, donc à supposer que le rang dans le fichier fait sens, ce qui n'est pas toujours le cas, et je peux créer une variable de rang, c'est simplement, je vais numéroter mes lignes de 1 jusqu'au nombre total de lignes que j'obtiens avec nRow de HDV 2003. Donc là, j'ai créé ma variable rang et je peux faire un ggplot HDV 2003. Avec x qui est égal au rang, y qui va être égal du coup à âge, donc c'est HDV 2003, pardon, je ferme plus AES et on rajoute le jump point. Par contre, voilà, ça ne fait pas forcément sens. Ce qui peut être différent, c'est de dire qu'on aimerait les trier dans l'ordre. Hein, donc j'aimerais les mettre de la plus petite à la plus grande. Auquel cas, ça serait un petit peu différent. Je vais refaire ma variable rang. Et donc là, je vais prendre HDV 2003. Je vais la trier. Donc je peux utiliser arrange. D'accord? Donc là, c'est sur la variable âge. Je vais trier par âge. Je vais recalculer ma variable rang, donc cette fois-ci je le fais en dplyr. Donc rang égale 1 à n. Je vous rappelle un dplyr n dans un mutate équivalent au nombre d'observations. Et tout ça, il faut bien sûr que je le sauvegarde dans HDV 2003. Je refais mon graphique. Et donc du coup, là, on obtient effectivement ce type de graphique où on voit les données qui sont triées.
Je ne sais plus comment s'appelle ce graphique-là. Il doit y avoir une fonction pour le faire directement dans ggplot. Il faudrait juste faire un petit peu de recherche. Mais voilà, c'est représenter du coup les données observées en fonction de leur rang. Et je suis certain que quelqu'un s'est déjà occupé de ça, mais je n'ai pas le nom du type de graphique sous la main. J'avoue, je ne suis pas amené vraiment à les utiliser, ce genre de représentation graphique. Est-ce qu'il est possible à l'intérieur d'un graphique? Alors. Oui, donc là je vais me mettre à la fin dans les bonus. Ça se fait avec la fonction annotate. Donc je vais reprendre un de mes graphiques. On va reprendre celui-ci par exemple. J'ai un graphique, d'accord. Et donc si je regarde l'aide de annotate. Annoter, ça permet du coup de rajouter, mais il faut dire où est-ce qu'on veut annoter. Alors, si je représente mon graphique P, je vais donc faire. Je vais reprendre mon graphique P et je vais rajouter un annotate. Donc, annotate. J'en garde l'aide. Voilà, donc je vais de base, on va rajouter un texte parce qu'avec Annotate on peut rajouter un point, un rectangle, ce type de choses. Donc là, ce que je vais faire, je vais rajouter un texte. Donc je vais appeler la géométrie texte. X, je vais me mettre en, je vais vérifier si je mets x égale 1, y égale. 45, label égale mon étiquette. Donc ce qu'il faut retenir, là je vais appeler la géométrie texte pour ajouter, qui est la géométrie qui permet de dessiner du texte. Label égale mon étiquette, donc c'est donc la valeur du texte que je veux mettre sur mon graphique. Et ensuite il faut que je dise à quel endroit je veux positionner mon graphique. 45, hein, ça me met en Y ici. Donc moi, si je le voulais plus haut, il faudrait plutôt que je le mette par exemple, on va dire à 85 pour le mettre en hauteur. Et enfin, la position, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a une variable qui est continue, catégorielle comme ici, homme est en position 1, femme est en position 2. Donc si je veux mettre pile au milieu, ça serait par exemple du 1,5. Je refais le graphe. Ah, pardon. 1,5 par 1. Et donc là, du coup, vous voyez, j'ai mis une étiquette à cet endroit-là. Donc, annotate, hein, c'est une fonction très générale. On peut aussi l'utiliser quand vous regardez l'aide de annotate. Vous voyez qu'on peut l'utiliser aussi pour ajouter un segment, rajouter un rectangle. Là, quand vous regardez. Alors, toujours pareil, hein, une bonne chose à faire pour bien prendre les exemples. Je prends l'exemple qui m'est donné. Donc ça, c'est l'exemple qui nous est donné dans l'aide de annotate. Et puis, je regarde. Donc là, on me fait une proposition. Texte x égale 4, y égale 25. Ça donne ceci. Vous avez un deuxième exemple. Ici, vous voyez, il y a une seule valeur de y, mais plusieurs valeurs de x. Donc x vaut 2, 3, 4, 5. Et vous voyez que dans ce cas-là, bah, ça a mis 4 fois le texte, hein, puisqu'on n'a pas répété le 25, on a répété le x, et donc on a donné un texte 4 fois. Un exemple pour un rectangle. Donc un rectangle est défini, hein, dans ggplot avec x min, x max, y min, y max. Et donc là, il a un alpha qui est 2,2. Donc on a rajouté un rectangle transparent sur cette zone-là. Et vous avez un exemple de segment. Donc un segment, c'est la géométrie jump segment.
En fait, vous avez x et y qui déterminent le début du segment et x end, y end, la fin du segment. Et si je prends le dernier exemple qui est donné là, c'est un point range. Donc un point range, c'est la manière qu'on utilise pour représenter par exemple des intervalles de confiance. C'est-à-dire qu'on sait un point avec qui va s'étendre verticalement avec y min et y max. Donc retenez à nos têtes, et encore une fois, il n'y a pas besoin de tout savoir par cœur. Hein. Dès lors qu'on est en capacité d'aller regarder, qu'on a retrouvé la fonction qui va nous être utile, allez regarder l'aide de la fonction qui donne en général des éléments utiles pour pouvoir avancer. Alors, il y avait une question sur le découpage automatique en classe histogramme. On l'avait évoqué, hein, tout à l'heure. Donc le plus simple, c'est de donner soit un nombre de classes, soit la largeur des classes. Et encore une fois, à part des cas particuliers, je vous invite à faire vraiment des classes de même largeur pour l'histogramme. C'est ce qui évite d'avoir des soucis de représentation. Comment ajoute-t-on le polygone des fréquences? Alors, pareil, ça c'est un graphique que j'utilise pas beaucoup pour ma part. Mais je crois que ça va être FrecPoly. On va vérifier ça. Donc, nous avons ici. Bon, ça c'était avec Jump Density. On va refaire un histogramme de base. Voilà. Donc, ici, on a un histogramme de base. Et je pense que c'est FrecPoly. Donc si je fais Geom FrecPoly. Voilà, c'est celui-ci. On peut le rajouter sur le Geom histogramme, hein, pour bien voir les deux. Donc si vous voyez, le Geom FrecPoly, hein, rajoute, juste pour que ce soit peut-être visible, je vais mettre un color égal -50, qu'on puisse bien voir les barres du polygone. Et mon FrecPoly, je vais mettre un size égal 1 pour augmenter la taille. Je vais juste supprimer. Je vais pas le faire par sexe, hein, pour qu'on n'en ait qu'un seul qui soit bien visible. Le Y pour revenir au cas de figure de tout à l'heure. Donc, je vais remettre l'exemple après les autres, qu'on s'y perde pas. Voilà, donc je reprends. Là, on a un histogramme classique. Je vais faire un fil égal à blue alpha. Donc, j'ai dessiné, on revient, on a fait l'histogramme simple, donc sur A. Donc là, ce qu'on a, c'est un nombre d'observations, toutes mes barres ont la même largeur. J'ai coloré les traits en gris 50%. Donc, retenez que vous avez dans R grès 0,0 à grès 99, grès 0,1, grès 0,2, grès 25, hein, pour quand on veut des pourcentages de gris, hein, pour avoir des choses plus ou moins foncées. J'ai rempli en bleu, mais qu'un niveau de transparence à 25% pour avoir quelque chose de clair. Et j'ai dessiné par-dessus le FrecPoly. Et donc le FrecPoly, ça prend tout, ça trace une courbe polygonale au centre de chacune des classes. Hein, et si je ne me trompe pas, c'est bien la question qui a été posée sur le polygone des fréquences. Certaines fonctions graphiques de RBase ont un argument plot égale false qui permet d'afficher les caractéristiques du graphique. Exemple box plot, intervalle de confiance des médianes. Alors je connais mal les fonctions de RBase. Il faudrait revoir en fait sur une fonctionnalité particulière et voir comment elle a pu être implémentée dans ggplot. Elles y sont toutes, c'est juste que la logique n'est pas forcément la même. Donc il faudrait voir sur un cas précis. Est-ce qu'il y a une différence entre facette grid et facette wrap? Oui, il y a une différence entre facette grid et facette wrap. Et on va le voir avec un exemple concret. On va prendre celui-ci. Alors,
Les deux font des facettes, mais un petit peu différemment. Je recolle le graphique qu'on avait là, donc on a un graphique. Je vais voyons voir. On va simplifier un peu tout ça. Donc un simple histogramme. D'accord. Donc là, on a l'histogramme, les hommes et les femmes, et je vais utiliser une variable avec plus de modalités, je vais prendre religion, d'accord, qui en a 5. Si je prends, d'accord, un facet grid et que je lui passe une variable, cette variable va, là j'ai dit religion en colonne, et donc elle va être chacune à côté des autres. Et l'intérêt, c'est qu'on peut comparer puisque toutes les échelles sont alignées les unes par rapport aux autres. Si je fais un facet wrap, on va là aussi faire un graphique pour chacune des modalités de religion. Mais on ne cherche pas forcément à être tous les uns à côté des autres. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de voir comment on peut combiner les graphiques sur un rectangle. Donc là, il m'a dit, bah, 6 modalités, ça tient bien sur 2 lignes, 3 colonnes. Et on peut contrôler éventuellement le nombre total. J'aurais pu dire par exemple n row égale 3. Vous mettre les deux exemples. Regarde l'historique. Hein. Si j'avais rajouté row égale 3, pardon, à ce moment-là, je force le fait qu'on fasse le graphique sur 3 lignes, et du coup, comme il y en a 6, il va me faire 2 colonnes. Alors, vous voyez la différence, hein? Là, on va essayer de tout faire tenir. Quand le facet grid impose qu'une même variable va être que sur une ligne ou que sur une colonne. Si je mets ici rows, l'un au-dessus de l'autre. Alors là où ça peut être intéressant à bien comprendre la différence de logique entre les deux, c'est si jamais je veux comparer avec deux variables différentes. Si je mets rows égale var league, mon facet grid, et cols égale vars sexe. Là j'obtiens du coup 12 graphiques. Et donc je compare à la fois selon la variable homme-femme et selon la variable religion. Si je veux faire la même chose avec un facet wrap, en fait je vais lui donner deux variables, puisqu'il n'y a pas de séparation ligne-colonne. Et j'aurais bien. Ah, pardon. Facet wrap. Je vais bien avoir les mêmes 12 graphiques hein, avec toutes les combinaisons. Mais là, bah là, par exemple, il me le met sur 3 lignes, 4 colonnes. Donc à moi de lire ce qu'il y a au-dessus pour régulier homme, régulier femme. Voilà. Là en fait, on fait toutes les combinaisons, puis après on les met les uns côte à côte, et puis on essaie de voir comment ça peut fitter dans l'espace. Quand j'avais fait le précédent avec le facet grid, ce qui était intéressant, c'est qu'en fixant qu'est-ce qui était en ligne et qu'est-ce qui était en colonne, j'ai systématiquement comparaison homme-femme, là côte à côte, sur les mêmes variables. Et donc quelque chose qui est probablement plus facile à lire. Enfin, il y a une dernière question sur la pyramide des âges. Alors, la pyramide des âges, c'est une bonne question. Parce qu'il n'y a pas moyen de faire, je crois, très très facilement la pyramide des âges. Mais j'avais cru trouver une astuce une fois. Et je crois que. Genre, je vais rechercher sur l'analyseur. Est-ce qu'on a quelque chose avec la pyramide des âges?
Et donc sur étang de GG plot 2, donc de base avec GG plot 2, on ne peut pas directement faire d'un coup d'un seul une pyramide des âges. Mais voilà, je me disais bien, il faut aller regarder du package GG chart qui va permettre de qui a une fonction pour faire des pyramides des âges tout simple. Voilà, et donc c'est pyramide chart comme fonction dans le package GG charts. Si on veut plus d'informations sur un package, le mieux c'est d'aller déjà voir sa fiche sur cran. Donc si je vais cran ou GG chart. On va voir sa page principale. Donc c'est un donc GG Charts, hein, c'est un package qui propose des fonctions additionnelles. Et je vois qu'il y a le site web du package qui est là. Donc allons sur le site web du package parce que parfois on va y trouver un peu plus de documentation. Donc là on est sur le site de développement, le GG Charts, et on a ici un lien qui nous dit qu'il y a une page de documentation. Allons-y. Donc, on est sur la page de documentation du package en question, où vous allez trouver du coup une présentation un peu générale hein, de ce qu'on peut y faire et de la philosophie de ce package. Le but de GG Charts, c'est de faire des graphiques un peu avancés prêts à l'emploi. Alors, il y a plusieurs packages. En fait, il y en a même pas mal sur Internet hein, de packages qui font ce qu'on appelle des high-level plots, c'est-à-dire qui vont faire des choses pré-organisées. Et si je vais sur référence, on va pouvoir voir l'aide de la fonction pyramide chart. Donc, on lui donne un jeu de données. Il faut donner x, ça doit être la variable, je suppose, qui contient le sexe. Y, la variable qui contient l'âge. Les couleurs des barres. Et là, on a un exemple avec PopCH. Vous voyez, donc en fait, on lui donne un jeu de données, la variable d'âge, ah, la variable de, pardon, la variable Y, c'est le nom, ça va être le comptage, et groupe. Et donc, du coup, il calcule la pyramide des âges. À vérifier, si je retourne rapidement sur R, est-ce que je l'avais installé, GGCharts? Forcément, je l'avais installé pour pouvoir tester. Donc, je reviens sur l'aide hein, de pyramide chart. Ce qu'il faut voir, c'est que dans l'exemple, on nous parle d'un jeu de données qui s'appelle PopCH. Donc, regardons data PopCH et un view sur PopCH. Donc, vous voyez. Les données sont déjà organisées, c'est-à-dire que c'est à vous de faire le calcul en classe d'âge, par sexe et les tailles de population. Donc c'est à vous de faire déjà en amont vos calculs hein, d'effectifs. Ça peut se faire avec des groupes by, avec des summarize pour des players. Et une fois que vous avez les données de la pyramide des âges, vous pouvez effectivement générer cette pyramide des âges. Grosso modo, hein, c'est deux graphiques qui sont mis côte à côte. De toute façon, c'est compliqué à faire ces pyramides des âges, donc n'hésitez pas à creuser de ce côté-là au besoin. Alors, après cette série de questions, je vous propose de continuer. Notre exploration des graphiques unis et bivariés avec tout ce qui va être représentation de variables catégorielles et plus spécifiquement en fait les diagrammes en barre. Il reviendra peut-être un petit peu plus tard sur les diagrammes en points qu'on a déjà abordés la semaine dernière. Donc les diagrammes en barre, hein, ils sont importants parce que c'est ce qui va nous permettre. Donc on va se mettre à là tout de suite. Ça va servir beaucoup lorsqu'on va représenter tout ce qui va être variable catégorielle. Alors,
Je vous propose de changer de fichier et d'aller. Puisque dans trial, on a. Si vous faites un trial look for. Hein, on a quelques variables comme stage, hein, qui sont en 4 modalités, ou grad, qui sont en 3 et puis qui ont déjà des noms courts. Donc, supposons que je vais partir du coup du fichier trial. Donc, pour rappel, hein, les variables catégorielles doivent être codées pour ggplot comme des facteurs. Et si vous avez des variables labellisées, il faut penser à les convertir en facteurs. Donc, comme pour les modèles, hein, on l'a vu, variable catégorielle, c'est codé en facteurs, variable continue sous forme numérique. Et si on a des formats un peu atypiques, ou temporaires, ou une variable qui est codée 1, 2, 3, 4, mais qui correspond à des modalités, par exemple une variable qui est labellisée, on fait une conversion en facteurs avant de faire nos graphiques. Donc là, nous avons la variable stage, qui est codée sous forme donc de facteur. Donc je vais la représenter en x. Et je veux un graphique en bar. Et donc on va appeler gm bar. Donc, de la même manière que gm histogramme faisait du comptage des observations. GMBAR fait également, va aussi compter, sauf que quand on était tout à l'heure avec notre variable continue, il fallait découper en petites classes, hein, c'est ce que faisait la statbin. Là, on a déjà un découpage en catégories, et donc on a juste à faire le comptage par catégorie. Je peux rajouter à mon graphique une deuxième dimension, et supposons que je fasse fill égale rate. Vous voyez, là, donc encore une fois, par défaut, mon graphique va mettre count en Y. Et si jamais j'ai plusieurs, donc là, comme j'ai mis un fil avec différents sous-groupes, les éléments vont se mettre les uns au-dessus des autres. Mais on va voir que le paramètre position qu'on avait déjà vu tout à l'heure, là, ça correspond à ce qu'on appelle une position dite stack. Hein, c'est-à-dire qu'on va mettre chaque morceau de barre, donc chaque rectangle, les uns au-dessus des autres. On peut jongler avec une position autre, et notamment, vous avez la position dodge. Donc, si j'indique position égale dodge, vous aurez cette fois-ci... Au lieu de les mettre les uns au-dessus des autres, elles vont être mis les uns à côté des autres. Et enfin, troisième position intéressante, elle s'appelle position égale fil. Et celle-là, elle va être très pertinente pour nous, parce que ça permet en fait de non pas représenter count, mais de représenter en fait en pourcentage, c'est-à-dire donc des parts cumulées proportionnelles. Donc là, ce qu'on voit, c'est la proportion de grade 3, grade 2 et grade 1 dans chacun dans chacune de mes catégories. Et là, on va voir déjà tout un certain nombre d'astuces qu'on peut faire pour améliorer tout ça. D'une part, à partir du moment où je fais un position égale fil, si vous regardez bien, sur la droite, j'ai 0,00, 0,025, 0,50, 75, 1, hein, puisque ce sont des proportions, donc des valeurs qui sont comprises entre 0 et 1, et qui sont représentées ici de manière brute. Ce que j'aimerais, ça serait plutôt de représenter des pourcentages. Alors, pour mettre en forme des nombres, de manière générale, on va avoir recours au package scales. Et je vais me permettre de faire un petit détour par la fonction number. Number, c'est une fonction qui va prendre un certain nombre de valeurs numériques en entrée. Hein, et puis on va les transformer, on va voir les différentes options qui sont
possible. Pourquoi j'ai pas d'exemple? Peut-être sur. En fait, elle était renommée et number c'est historique, mais c'est number format en particulier. Donc voyons voir. Dans les exemples, j'ai un demo continuous. Voyons voir. Non, c'est pas ça que je veux. Je sais pas, on va se refaire, vous inquiétez pas. On va se faire un exemple. Je vais me faire un vecteur x, d'accord. Ah, je vais vous mettre dans le code pour que vous puissiez le retrouver peut-être après. Donc dans le bonus, on va mettre avec number de scales. Donc je vais vous faire un vecteur x, d'accord, et donc x il va contenir différentes valeurs. Je vais lui mettre 1,2, 0,123, 10,400. 4, 5, 6, 0,02 et un grand nombre 14568,789. D'accord, donc vous avez ici x. Et on va voir les différentes options qu'on peut avoir avec number de x. Donc je vous remets l'aide de number. Première chose, c'est ce qu'on appelle le accuracy. Donc si je vous mets number x, d'accord, par défaut, il va me mettre en nombre les nombres, il va harmoniser le nombre de décimales. Et en fait, quand on ne dit rien, il va essayer de deviner quel est le bon nombre de décimales à utiliser. Hein, donc c'est parfois un peu aléatoire. Vous voyez qu'il met en forme les nombres dans un mode dit international, c'est-à-dire un espace pour la séparation des milliers et le point pour la séparation des décimales. Premier élément, on peut franciser tout ça. Il y a deux choses importantes qui sont décimal mark et big mark. Decimal mark, c'est le marqueur de décimal. Là, je vais vous mettre par exemple la virgule, comme on fait en français. Et puis là, le big mark, c'est le séparateur de milliers. Par exemple, je vais prendre ici le cas de figure de l'apostrophe. Si je fais ça, vous voyez que mes décimales sont représentées avec une virgule. Et pour le 14568, vous avez du coup une apostrophe qui apparaît. Et si je veux simplement qu'il n'y ait rien, hein, il suffit de dire que ça soit... guillemets, guillemets, c'est la chaîne de caractères vides et donc du coup ça va rien mettre. Vous avez ensuite préfixe et suffixe. Alors ça permet de remettre quelque chose juste avant ou juste après. Par exemple, je pourrais dire préfixe dollar pour afficher le symbole dollar avant, un peu à l'américaine, et suffixe. Par exemple 4 pour dire que c'est des dollars canadiens. Si je fais ça, je rajoute du coup le symbole dollar avant et le symbole CAD derrière. Maintenant, on va pouvoir jouer sur les questions d'arrondi. Avec la particularité, c'est que number, vous avez un ensemble de fonctions dans R, vous verrez, il y a marqué digits. Les digits, on indique le nombre de décimales que l'on veut. Number est un peu plus générique. Lui, on a accuracy, on dit le niveau qu'on veut atteindre. Si je mets 1, j'arrondis à 1. Donc, pas de chiffre après les virgules. Si je mets 0,001, j'arrondis à 0,001, donc j'arrondis avec trois chiffres après la virgule. Mais on peut mettre des choses plus fines. Je pourrais dire que je veux arrondir au quart. Et donc, si je mets
0,25, j'arrondis à 0,25 le plus proche, donc ça veut dire qu'à 0 ou 0,25 ou 0,50 ou 0,75. Je peux aussi y mettre un nom plus grand, par exemple, je veux arrondir à la dizaine. Autre, donc ça c'est pour la partie accuracy et je vous le mets en explicite du coup. Pour que du coup vous vous y retrouviez mieux quand vous retournez au texte. Vous avez ensuite le paramètre scale qui permet de modifier, de multiplier en fait les valeurs par une autre en amont. Si je fais scale égale 100, on va multiplier toutes les valeurs par 100. Et du coup, il y a juste à rajouter le suffixe pourcent pour avoir un chiffre en pourcent. Petite précision, quand on précise le accuracy correspond à la valeur après, hein, multiplication. Donc là, je vais être en pourcentage avec un chiffre après la virgule. Enfin, le accuracy, hein, il peut aussi servir pour autre chose. Je pourrais faire, vous avez, je sais pas, vous avez Y, il convient des valeurs très grandes. Vous avez, d'accord. Et donc, du coup, on a peut-être besoin de représenter ça de manière plus simple. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est X, accuracy. 1, scale, on va diviser par 1 million. Et en suffixe, je vais rajouter million. Pardon, c'est pas X que je vais mettre, mais c'est Y plutôt, avec les grands chiffres. Voilà, donc vous voyez, on peut tout simplement, avec Number finalement, c'est assez souple. Pour pouvoir y passer quoi que ce soit. Alors, c'est là où ça, où pour travailler avec ggplot, il va être important de bien distinguer number et de label number. Number prend en premier lieu une valeur de nombre à transformer et un certain nombre de paramètres. Label number, et c'est un petit peu différent. Label number, vous voyez, il n'y a pas de x au début parce que ce que renvoie label number, c'est une fonction qui permettra ensuite de faire ces corrections. Je vous montre un exemple. Supposons que je fais en millions. Et je vais dire que c'est label number et je lui passe juste les options qui m'intéressent. Regardons qu'est-ce que en million. C'est une fonction. Donc en fait, label number, on lui passe les paramètres, ça renvoie une fonction et c'est une fonction qui va transformer les nombres en... Donc par exemple, je peux faire maintenant en million. De Y. Donc retenez bien la différence. Number fait un formatage. Label number renvoie une fonction de transformation. Alors, à retenir aussi, vous avez des raccourcis comme comma et label comma hein, dans Skills. Donc toutes ces fonctions-là, en fait, partent de number. C'est juste que leurs valeurs par défaut sont un peu différentes. Comma, et ben c'est à l'américaine, c'est-à-dire la virgule comme séparateur de milliers. Vous avez aussi dans Scales la fonction percent et la fonction label percent. Donc en fait, vous avez, il y en a plusieurs, parce qu'en fait, toutes les fonctions de labellisation portent un nom un peu particulier. Label dollar, c'est pour les...
pour des valeurs. Donc si je fais, il y a dollar qui va avec. Donc si je fais dollar de x, ça les met à la nombre. La particularité, c'est que vous avez une mise en forme avec des parenthèses pour les valeurs négatives, comme font les économistes. Donc, vous en avez quelques-unes là-dedans. Il ne faut pas hésiter à regarder tout ce qu'il y a dans Skills. Hein, toutes les fonctions qui commencent par label. Label percent, label p-value aussi, label scientifique. Donc vous avez des fonctions de labellisation. La plus générique, c'est number. Mais vous en avez d'autres qui sont des variations autour ou sur des présentations particulières. Label scientifique, par exemple. On va prendre un exemple. Scientifique de X ou de Y. Ça présente hein, sous la forme. C'est 1,75 fois 10 puissance 10. Donc voilà, vous avez différentes valeurs de mise en forme. Retenez bien, c'est que les fonctions label underscore quelque chose renvoient une fonction. Donc on donne les options et ça nous permet de générer une fonction. Tandis que number fait la transformation directe. Et à retenir, du coup, on a percent et label percent, d'accord, qui est la même chose que number, sauf que par défaut, scale est déjà par 100 et le suffixe est pour 100. Donc revenons-en à mon diagramme en barre, puisque la question était ici de je veux afficher des pourcentages. Donc je représente mon diagramme en barre, mais vous l'ayez en mémoire. Donc là, ce que je veux modifier, c'est l'échelle des Y. Donc scale Y. On avait vu la semaine dernière les fonctions d'échelle pour modifier le lien entre une esthétique et une variable. On est dans le contexte continuous. Labels, soit je lui donne des valeurs précises. Par exemple, je veux A, Toto, Hello, Kitty et R. Donc là, je donne directement les valeurs de texte que je veux voir apparaître. Ou alors, on peut lui passer une fonction de mise en forme des textes. Et donc, par exemple, là, je veux lui passer label percent. On l'a vu, label percent va me renvoyer une fonction de mise en forme. Par contre, je vais faire une toute petite modification. Je suis un bon français et en français, il y a un espace insécable avant le symbole pourcent. Donc, éventuellement, je vais changer le suffixe par espace pourcent. Tout ce qu'on voit là, et avec les dernières versions de ggplot, ce n'était pas le cas sur les versions historiques, est réversible entre x et y. Donc je peux vous faire le même graphique. D'accord? Sauf que je passe stage en y. Et du coup, c'est l'axe des x que je vais vouloir changer. Hein? Donc dans les dernières versions de ggplot, on peut être symétrique. Maintenant, la question qui se pose, et je vois qu'elle arrive dans le chat, c'est comment est-ce qu'on fait des étiquettes sur nos graphiques? Et c'est là où ça peut être un petit peu plus compliqué. Alors, on va revoir chacun un par un. Donc, sur ce premier graphique, d'accord, on a compté et j'aimerais pouvoir mettre dans chacune des cases le nombre d'observations. Si on regarde dans GeoBar, la statistique qui permet de faire ce comptage s'appelle la statistique count. Et on retient aussi, tant qu'on y est, que pour le moment, les éléments sont affichés avec une position qui est égale à la position stack, c'est-à-dire qu'on les a mis les uns au-dessus des autres.
La géométrie qui permet d'afficher du texte s'appelle la géométrie GeomText. Si je regarde l'aide de la géométrie GeomText, pour rappel, on va le voir dans les esthétiques qui font une esthétique label qui indique le texte que l'on veut afficher. Et enfin, si vous regardez, par défaut, la statistique utilisée c'est identity, c'est-à-dire je ne transforme pas les données, et la position c'est identity, c'est je prends les valeurs de x, y qui m'ont été fournies. Donc pour ajouter nos étiquettes, je vous mets le graphique sous les yeux, je vais devoir appeler GeomText en lui passant un certain nombre de paramètres en plus. Alors, déjà, il va falloir lui dire qu'est-ce que je veux représenter. Je peux représenter, donc il faut que je mette label. Et donc je veux count, donc ce sera after stat count. Pour rappel, after stat me permet d'accéder à une des variables calculées. Pour que le calcul se fasse aussi dans GeomText, il faut que je précise à GeomText d'utiliser la statistique count. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas tout à fait le résultat que je voulais obtenir. Quand on fait le comptage pour stage T1, on va compter 13, 17 et 23 pour les trois catégories qui sont là. Et donc, si je ne rajoute rien d'autre, ils vont être affichés 13 à une hauteur de 13, 17 à la hauteur 17 et 23 à la hauteur de 23. Du coup, il faut aussi que, parce que la position par défaut, c'est position stack. Donc en fait, quand on fait un stat count et qu'on précise rien, on va mettre la valeur de count dans Y, et du coup les points sont présentés à cet endroit-là. Ce qu'on veut, c'est qu'on passe en stack, c'est-à-dire qu'on va mettre les points les uns au-dessus des autres. Ce qui se fait en disant position égale stack. Alors, si je fais position égale stack, on commence déjà à obtenir un peu mieux ce que l'on souhaite. C'est-à-dire que j'ai bien, en fait, ça va créer le cumul. Et donc 13 est représenté au niveau de 13. 23, bah, il est représenté à la position 36, 23 plus 13, et ainsi de suite. Sauf que moi, ce que j'aimerais bien, c'est que mes points ils soient au milieu de mes barres. Ça serait quand même plus joli. Et donc, pour ça, on va avoir recours à position stack. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est quand je fais position égale nom de la position entre guillemets, il va chercher s'il y a une fonction qui s'appelle position underscore nom. Sinon, je peux acheter directement la position. Et là, je vais indiquer un des paramètres de position stack, c'est vjust, qui est où est-ce qu'on se positionne verticalement, et 0 pour s'aligner en bas, 0,5 au milieu, 1 tout en haut. Donc si je fais position stack.5, je me positionne au milieu de chacune de mes barres. J'en profite ici pour vous montrer une autre syntaxe possible concernant à quel endroit je mets label égal after stat count. Là, je l'ai mis dans le AES de manière globale, mais j'aurais pu aussi le mettre dans le GeomText. Alors, je vais le mettre sur plusieurs lignes. Toutes les géométries ont un paramètre qui s'appelle mapping, qui permet d'indiquer des esthétiques qui ne seront valables que pour cette géométrie-là. Autrement dit, en faisant ça, j'indique à GeomText d'utiliser afterStatCount pour associer à label, mais ça me permet de pouvoir donner une géométrie qui ne servira que pour la géométrie texte, donc que pour cette couche-là, sans servir les autres. J'obtiens exactement le même résultat. Voyons voir maintenant comment est-ce que je peux mettre mes étiquettes sur le deuxième cas de figure qui était le graphique Dodge. Donc là, on va remettre encore une fois le nombre d'observations, donc after stat count. Et GeomText.
Alors, si je ne précise pas hein, rien à ce stade-là, vous aurez forcément une erreur. Parce qu'il me dit que dans le texte, il ne trouve pas de valeur count. Il faut bien préciser stat égale count, sinon la variable count ne sera pas disponible pour la géométrie texte. À ce stade-là, comme tout à l'heure, on a nos différentes valeurs qui sont calculées. Et elles sont positionnées bah, sur la valeur de l'axe des x qui vaut t1, t2, t3, t4, plus par défaut, y est positionné sur count, donc même problème que tout à l'heure. Là, notre petit souci maintenant, c'est du coup de décaler. Hein. Et ça, c'est lié au fait qu'on soit en position dodge. Donc, essayons de faire position égale dodge. Alors là, on nous dit with not defined, il faut préciser une valeur de with. Donc, on va réécrire position dodge. Et je vais vous expliquer quel est cet effet du with, mais sachez que par défaut, utilisez .9. Hein, cette fois-ci, mes valeurs textuelles sont bien positionnées au milieu de mes barres. Alors, petite précision à comprendre. Nos barres. Donc dans le géomètre barre, par défaut, l'ensemble des barres côte à côte a une valeur de 0,9. C'est pour ça qu'on a un petit espace qui est entre les deux. D'accord? Si je change le paramètre with, par exemple, je fais un with de 0,75, les barres, sachant que la distance entre T1 et T2 vaut 1, les barres n'ont plus qu'une largeur totale de 0,75, et ce qui fait qu'on a ici un espace plus grand. Si je réduis encore avec un 0,5, on augmente l'espace qu'il y a entre les barres. Pour que du coup le calcul de la position dodge se fasse correctement dans le géomètre texte, il faudra remettre cette même valeur de with. Donc je vais vous garder les deux exemples pour comprendre ce que ça fait. Donc si on ne met rien dans le géom bar, retenez que c'est par défaut 0,9 qu'il faut utiliser. Et si je rajoute du coup ici en position dodge égale 0,5, je m'aligne correctement. Si je reviens sur mon graphique ici. Ce qui n'est pas forcément agréable, hein, c'est que c'est la position des 17. Ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, nos étiquettes sont centrées sur le point. Donc le 17, hein, si vous voyez la forme du 17, il est aligné pour que le centre du texte soit à la hauteur de 17 en hauteur et à la position horizontale qu'on a calée avec l'opposition dodge. Vous avez des paramètres hJust et vJust qui permettent de modifier cela. Donc si je rajoute vJust, alors je ne sais jamais si c'est 0 ou 1, si on met un vJust en 1, on aligne vers le haut et donc du coup, ce qu'il faut retenir c'est que on prend le haut du 17 qu'on colle au point. Donc c'est aligné vers le haut, donc le 17 apparaît en dessous. Et si vous mettez zéro, affiche graphique. Si vous mettez 0, c'est un petit peu différent, on va être aligné juste en bas. Si vous voulez en fait pouvoir décoller un petit peu, l'astuce, c'est qu'on va dire au géomètre texte, et je vais me mettre sur plusieurs lignes pour que tout tienne, dans le mapping, je vais dire que je veux en fait non pas qu'on positionne les points à leur valeur de 17, mais je vais rajouter une petite valeur, donc c'est after stat
count plus 1 et plus 2 même. Ah pardon, j'ai oublié le as. Donc ici, ce que je fais, beaucoup de, on va le refaire en 1, ce que je fais, je modifie la valeur de y, le mapping sur y, que pour GeomText. Et pour GeomText, je dis que le y, ça sera count plus 1, ce qui veut dire que là, mon étiquette 17 sera dessinée en position 18. Et juste au-dessus, puisque j'ai mon VJust égale 0. Enfin, on pourrait avoir une autre technique qui serait de dire que je mets juste 1 et je dessine tout. Pourquoi il veut pas? Ok, je me souvenais plus qu'il y avait ça aussi qui posait problème. Il faut faire les deux. Je fais statcount moins sandcount pour moins statcount pour me mettre en dessous à 0. Ou éventuellement plus 1 pour ne pas être collé tout à fait en bas. Vous voyez, en fait, on peut jongler de manière directe et régulière pour avoir ceci. Reste enfin le dernier cas de figure. Donc, c'est position égale fil. Donc, revenons là. Je suis en fil. Je peux avoir rapport aux positions fil. Et comme tout à l'heure, j'ai un VJust, un alignement vertical. Et donc, ici, j'ai ajouté du coup mes counts. Et c'est le nombre d'observations. Or, ce que je me doute bien, et c'est la question qui nous est posée, ce qu'on aimerait, c'est pas avoir le nombre d'observations, mais c'est avoir plutôt le pourcentage. Et pour avoir le pourcentage sur un graphique en position égale fil, ce n'est pas possible de base dans ggplot. Je vous avoue, c'est un problème qui m'a turlupiné pendant 2-3 ans. J'avais trouvé des premières solutions qui fonctionnaient, mais qui n'étaient pas forcément très élégantes, jusqu'à ce que quelque chose de plus simple apparaisse, et qui est aujourd'hui stabilisé, mais pas directement accessible dans ggplot, c'est accessible dans ggGalli. Donc ggGalli, on l'a déjà vu, ça nous permet de faire pas mal de graphiques diverses et variées. Et notamment, dans ggGalli, vous avez une nouvelle statistique qui s'appelle StatProp. Alors, je vous explique pourquoi. Si vous allez voir l'aide de Geom de StatCount, d'accord, si vous allez regarder dans l'aide de StatCount, on vous dit qu'il calcule deux esthétiques. Count et prop. Le problème, c'est cette question de groupwise proportion. C'est qu'en fait, ça calcule une proportion au sein d'un groupe. Je vous montre. Donc, supposons que je repars de cet exemple-là et qu'au lieu de représenter count, je représente prop. Et vous voyez que c'est toujours égal à 1. Alors, quelque chose qui est un peu compliqué, c'est dans la manière dont les calculs sont faits dans ggplot 2. Mais en fait, ça, c'est un panel. Et dans ce panel, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 groupes. Et donc, du coup, en fait, les variables sont groupées là pour chaque valeur de T1, T2, T3, T4 et pour chaque valeur de grade 1. Ce qu'on voudrait, c'est pouvoir dire comment se calcule le pourcentage. C'est là, du coup, où arrive une nouvelle stat qui s'appelle du coup StatProp et qui est disponible dans ggGalli.
Donc elle vous est présentée ici, hein, à son niveau d'aide. Donc pour l'appeler, la seule différence c'est qu'on va faire statprop. Statprop. Va calculer une proportion et un count, sauf qu'il va falloir qu'on dise avec l'esthétique by comment la proportion doit être calculée. Et donc du coup, si je fais simplement ça, voilà, je vais avoir un message d'erreur parce qu'il faut impérativement que by soit spécifié. Si je reviens à mon graphique, alors, je fais le graphique avant le stade propre. Nous, ce qu'on veut, c'est que les totaux des pourcentages s'additionnent pour chaque valeur de stage. Et donc, du coup, on va indiquer by égale stage. En faisant ça, nous avons les proportions. 24,5, 43,3 et 32,7. Et ces trois proportions-là s'additionnent pour faire 100. Et pareil ici, 0,36, 0,34 et 0,3 s'additionnent pour faire 100. Alors, bien sûr, là, ce n'est pas joliment présenté. Donc, on va améliorer le graphique en appliquant label percent. Donc, ce que je veux, c'est label, moi, c'est percent de afterStatProp. Puisque je ne veux pas la fonction, je vais appliquer directement au résultat. Et je vais préciser accuracy égale 0,1 pour forcer un affichage avec un chiffre après la virgule. Ou dans certains cas, pour alléger les graphiques, moi je vous recommande régulièrement, quand il n'y a pas besoin de la décimale, de ne pas la mettre sur votre graphique, juste pour alléger le graphique et avoir quelque chose de plus lisible. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut bien comprendre ce paramètre by. D'accord? Juste pour vous montrer ce qui se passe quand on change le by. Si j'avais mis by égale grade, j'aurais calculé des pourcentages dont les totaux s'additionnent sur grade, c'est-à-dire que 25 plus 26 plus 26 plus 22 font 100. 20 plus 30 plus 22 plus 28 font 100. Si on veut des pourcentages du totaux, j'aurais mis by égale 1 pour dire qu'un seul groupe, et là vous avez des pourcentages du totaux. La manière dont le pourcentage est calculé est indépendante de comment vous représentez vos données. C'est vous qui dites expressément comment vous voulez représenter vos données. Pour plus d'informations sur le by, vous pouvez aller sur le site de GGGALI. Donc, si je fais cran GGGALI, on va trouver la page GGGALI qui me renvoie sur le site de GGGALI. Si et dans les articles qui présentent différents éléments, vous avez un article qui présente des statistiques additionnelles pour GGGALI et qui vous présente entre autres statprop. Alors, des choses avancées, vous avez aussi weighted mean pour des moyennes avancées, des statcross. Là, l'avantage de statprop ici, vous voyez comme ça, c'est ce qu'on a vu. Et l'intérêt, c'est que ça marche quand on fait des facettes. Hein, on va les garder. Mais on peut aussi faire des positions du totaux. Là, on est avec des counts, mais on a les pourcentages du totaux qui sont présentés. On peut faire un dodge bar en pourcentage plutôt qu'en count pour justement ajuster sur les tailles. Et on peut faire plein de choses plus avancées. Voilà, donc n'hésitez pas à les regarder de ce côté-là. L'avantage, c'est comme là, les calculs ils sont faits en temps réel dans ggplot, eh ben, c'est que si je reprends mon graphique de tout à l'heure, on a dit by stage. Voilà, si je reprends ce graphique-là et je rajoute une facette, facette
Wrap. Qu'est-ce qu'on va prendre dans Trials comme fonction? Dans les données, bah tiens, par TRT, vars TRT. Hein, vous voyez, on a deux traitements et très facilement, juste en rajoutant le facette, on a refait le même graphique, mais séparément pour chacun des deux groupes. Et les pourcentages se calculent de manière automatique. Vous trouverez, pour ceux qui sont intéressés, parfois sur Internet beaucoup d'astuces où, en fait, au lieu de passer par stats propres, en amont, on crée ses propres. On fait le calcul en fait des pourcentages en amont, et ensuite, quand on appelle Gplot, on lui donne directement les pourcentages. Le souci, c'est que du coup, dès lors qu'on veut rajouter une facette, il faut refaire l'ensemble du calcul. Voilà. Il n'y a pas d'autres commentaires pour ce soir. Le nuage de points, on ne l'a pas revu, hein, mais on l'avait abordé déjà longuement la semaine dernière, hein, avec y compris la droite de régression linéaire. Il y a de toute façon un nombre énorme de graphiques. Ce que je vous invite à faire pour vous aider à utiliser ggplot, c'est de regarder le cheat sheet qui est dédié. Si vous allez dans Help, vous avez un menu Cheat Sheets, et parmi ceux qui sont directement disponibles, vous avez Data Visualization ggplot 2. Si je clique dessus, ça va lancer le téléchargement d'un document. Cliquez dessus. Donc ça, c'est le cheat sheet. Hein. Je vous invite vraiment à l'imprimer en recto verso et à l'avoir à portée de main. Vous verrez, il vous rappelle les grands principes. Donc, hein, l'idée, c'est qu'on a des données qui sont associées à des géométries via des esthétiques dans un système de coordonnées. On vous présente toutes les géométries, la plupart des grandes géométries disponibles. Elles n'y sont pas toutes, hein, mais voyez, on a des très basiques, le ruban, le rectangle, le polygone. Des étiquettes, des quantiles, les regs, bref, vous avez énormément de choses à trois dimensions pour faire. Et puis on va retrouver des colonnes, c'est un peu l'équivalent de gembar, les box plots, des dot plots qui sont aussi encore une variation autour du violin, des points, on va compter les points qui se superposent, ça se fait avec GeomCount. Les histogrammes, frec poly, dot plot, donc vous avez un rappel hein, des principaux types de graphiques. Et ensuite, on vous rappelle les différentes statistiques qui sont disponibles. C'est juste un résumé, mais ça vous permet de retrouver le nom d'une fonction. Car une fois que vous avez le nom de la fonction, vous pouvez rapidement aller regarder l'aide de cette fonction-là. Voilà. Donc retenez quelque chose d'important. Le cheat sheet, c'est vraiment un des outils indispensables à avoir sous la main. De toute façon, les graphiques ggplot, on en refera beaucoup à l'avenir, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on fait des analyses, on a besoin de faire des graphiques. Donc, on y reviendra indirectement sur ces graphiques ggplot 2. N'hésitez pas à pratiquer, c'est toujours utile. La semaine prochaine, on se retrouve pour parler des données pondérées, des plans d'échantillonnage complexes, et comment est-ce qu'on peut analyser tout ça correctement en ayant recours au package Survey, et les adaptations que ça va requérir, notamment avec TBL SVI Summary pour les statistiques descriptives, pour le calcul des modèles, mais également on verra GG Survey, une astuce pour arriver à faire des graphiques ggplot 2 avec les données pondérées. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne fin de journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau webinaire. Merci à vous.